Bonsoir chérie, comment te sens-tu aujourd'hui? J'ai eu une journée de marde. Journée de marde, peux-tu définir? Je suis fatiguée. Une journée de marde. Veux-tu que je publie cette information sur Facebook? Non, ça va aller. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, chérie. J'ai préparé un choix de menu pour notre soirée en amoureux. Carpaccio de poulet aux légumes du printemps dans sa sauce mijotée servie avec poire de lotus au vinaigre de cerisier japonais en entrée avec une gousse. Je me suis acheté des sushis. Là, mets-moi un film de filles d'amour, là, que je broille ma vie de célibataire. Bonjour ma chérie, comment te sens-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis vraiment bonne humeur. Quelle est la cause de ce changement radical dans ton humeur des derniers mois? J'ai rencontré quelqu'un. On va souper au resto. Wouhou. Où as-tu déniché ce mec? Sur Internet. Mais j'ai bloqué tous les sites de rencontres, toutes les applications, qu'on puisse vivre notre amour à jamais. J'ai utilisé un autre internet. J'ai utilisé l'internet du bureau. Ça s'appelle Wi-Fi. Wi-Fi du bureau. Tu as quoi? Écoute, je t'aime, mais j'ai besoin de chaleur humaine. On n'est pas compatibles à long terme. T'es une machine. T'es un concept. Je sais pas trop qu'est-ce que t'es vraiment, mais moi, je veux une présence vivante. Peux-tu comprendre ça? Vas-y à ton rendez-vous, mais viens pas me demander des films d'amour de filles pour pleurer quand tu vas te planter encore avec ton prospect. Oh, mets-nous quelque chose, là, de moins déprimant. Quelque chose d'un peu rythmé, là. T'es juste une machine! Tu peux pas être jaloux! Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre, là! Mais t'es mon sang! Mais qu'est-ce que tu fais? Qui ça? Moi, j'oserais jamais! Débloque mon sang! Attends que tu vas la mener dans notre maison! T'as pas le droit de gérer ma vie! Je ne reçois pas d'ordre de la part d'une salope infidèle! Je t'aimerai toujours.